Arrêtez pas, non, non, de plus, non, de plus. Ah, merde. Ah, il court toujours, hein. Il a trop chaud, il est tout mouillé. Ah, il faut le faire, hein. Chaque année qu'on vient ici, ce vendeur de bananes, bah, il court toujours et il vend les bananes en courant. Il faut le faire. Il aurait dû être aller aux Jeux Olympiques de Paris. Il aurait été un champion. Vous vous rendez compte, avec un cajot rempli de bananes, il court. Mais c'est incroyable. C'est vraiment un bonhomme d'un sportif naturel. C'est du sport naturel. C'est pas un sport de compétition. Ça, c'est vraiment du sport. Bon, je me demande si le type n'a pas un petit grain, hein. Hein? Bon, il veut pas que je le filme, c'est pour ça qu'il m'a reconnu il y a 2-3 ans, je l'ai filmé, bon, il a accepté, mais il refuse toujours que je le filme, c'est pour cela que, dès qu'il m'a vu, il a vu que j'avais ma caméra peut-être branchée, là, qui était allumée, hop, il a changé, il a vite passé, d'habitude il vient vers nous pour nous vendre ses bananes, hein. Mais bon, les bananes, c'est pas bon pour moi, il paraît, hein, hein? Il paraît que pour ça épicie le sang, c'est ce qu'on dit, hein. Alors après un bout d'un certain temps, je ne mange plus de bananes, hein. Ma chère épouse, elle est là, hein. Elle est en train de faire sa gymnastique comme les Vikings. Elle a un peu du sang viking, ma femme. D'après l'ADN, elle a du sang viking. Bon, il n'y a pas un chat, hein. Il n'y a personne. Oui, il y a un couple là-bas, courageux comme nous, une vieille dame. Ouais, c'est pas facile. Et puis, c'est tout. C'est tout. Il y avait un autre couple avec un enfant. Je sais pas, ils sont partis. Et il n'y a plus personne. Ouais, ils sont partis, ils sont trop loin. Et, ah non, il y a tout au fond là-bas, il y a un couple en train de. De fumer du hachis, pas du fumer, en train de bouffer puis fumer je sais pas quoi là, mais c'est tout au fond. Là.